Donc on est en direct de Trouville pour le Festival of Cours. On est dans la Web TV qui s'appelait avant Web Off. Moi j'aimais bien Web Off de Nico. Écoute, on va en parler à la direction et on va ouais. Pour l'année prochaine. Je pense qu'il faut rétablir le Web Off. Le Web Off. Ouais. Web Off. Ouais. Web Off. Tu vois, ça avait un côté un peu décalé. Ça fait un peu Web Off, tu vois, néobab. Ah, tout c'est ça. Pas mal. On balance le générique, s'il vous plaît. Et donc, de retour sur le plateau pour ce Pampuri Show numéro 2, édition 2016. On a un invité de marque avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là, tout ça? Avec plaisir. Donc, Guillaume Farès, je représente Sony Audio Professionnel pour la France. Donc, Sony Audio Professionnel ici, c'est... Ça, faut pas le montrer, c'est le deuxième effet. C'est l'effet, ok. Ouais, je vous expliquerai après pourquoi, mais... Voilà. Spoil. On va parler ici d'audio pour la vidéo, hein. L'audio c'est large. Ouais. On va pas parler de live musique ou quoi que ce soit, là c'est vraiment une utilité audio au penchant de l'art noble qu'est la vidéo. D'accord. Parce que c'est vrai, on sait pas beaucoup, mais Sony c'est aussi une société qui fait du son et qui le fait bien, que ce soit dans les consoles de mixage, que ce soit dans les systèmes HF, les micros, et même dans tout ce qui est hi-fi, home vidéo, il y a plein de choses, il y a plein de produits. Et moi j'utilise depuis bientôt 2 ans maintenant, ce système-là. Je ne sais jamais comment il s'appelle, parce que vous avez toujours une certaine poésie dans l'appellation des produits. Alors je vais aider. URX P03, n'est-ce pas, qui est un système donc HF. Que j'aime beaucoup parce qu'il a cette particularité, et je ne me lasserai jamais de le répéter, c'est le génialissime système MI-SHU. Le MI-SHU, c'est quoi? C'est en fait, sur toutes les caméras Sony récentes, il y a un petit truc magique, et je vais le montrer, je vais faire appel à la super caméra d'Antonin. C'est que sur chacune des caméras, il faut que tu viennes filmer là, Antonin. Ici, ouais, je pense qu'il faut que tu vois. Là, on voit ici sur la griffe porte accessoire, il y a un connecteur électronique, okay, qui permet de brancher des accessoires sans avoir à brancher de câble supplémentaire. Et on a donc un petit système comme ça, c'est juste une petite coque en plastique avec de la connectique, et qu'on va pouvoir brancher sur la caméra et brancher ensuite. Ah! Ça y est, je fais tout tomber. J'ai encore pas rangé ma chambre, je suis désolé. Ça risque de durer, ça, l'histoire de « j'ai pas rangé ma chambre », ça va devenir un running gag. Et donc ici, en fait, sans avoir à brancher un quelconque autre câble, okay, j'ai mon récepteur HF qui est plugué sur ma caméra. Vous voyez, je suis sur le petit 6300 de Sony, c'est un boîtier qui vaut 1 200 €. Ça marche aussi sur le RX100, sur le RX10, sur... le petit bridge, les Alpha 7, les FS7, les XDCAM, les PMW, voilà. Toutes les caméras FS5, FS7 et compagnie aussi, ça marche et c'est fort pratique. Moi, je l'utilise en interview avec le petit émetteur et le petit micro HF. Et je l'utilise aussi en fiction pour avoir le retour de l'ingénieur du son, c'est-à-dire que je lui colle l'émetteur. Il branche sur sa mixette et comme ça, j'ai un son synchrone, un son témoin d'une bonne qualité, ce qui permet de faciliter derrière la synchronisation des rushs. Voilà. Et en fait, on va attaquer tout de suite là-dessus. Je n'ai pas du tout parlé du programme, de quoi on allait parler, tout ça, mais on va donc parler de ces micros. Et il y a eu une annonce au NAB qui est passée un petit peu inaperçue, mais moi qui m'a plu énormément. C'est donc l'annonce de ça. Alors, je sais pas, c'est pareil, il doit s'appeler URX P03D. Voilà, d'accord. D pour 2. D pour 2. Et la différence entre ça et ça, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Mesdames, messieurs, la différence entre ça et ça, c'est quoi? C'est qu'ici, on a un récepteur qui est capable de recevoir les signaux de 2 émetteurs HF. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que quand on est en configuration comme ça, ultra légère, sur une petite caméra type Alpha 7 ou 6300 ou tout ça, on a souvent besoin d'avoir 2 micros. Interviewer, donc tu as un micro pour la personne qui fait l'interview, ça s'appelle un journaliste, je crois.
Et aussi un autre micro pour la personne interviewée, tu vois. Donc, ou alors pour faire une interviewer deux personnes, on a besoin de deux micros. Et la plupart, même si que ce soit l'Alpha 7 par exemple, il a la capacité d'enregistrer deux canaux, donc on enregistre en stéréo, donc stéréo égale deux canaux mono, on est d'accord, hein, tu me dis, tes conneries, voilà. Aucun problème. Et en fait, on a toujours la possibilité de brancher qu'un seul récepteur HF. Donc là, Sony, hop, tralalère, on arrive avec un truc, un produit qui est super malin, qui va pour moi révolutionner le truc, puisqu'on va avoir un seul récepteur qui va avoir la capacité de recevoir les signaux de deux émetteurs HF, donc de deux micros, et même plus. Exactement. Parce que t'as vu comment je te tends bien la perche. Une belle perche. Ah, ouais, pas mal. Hein. Je vais la prendre. Donc voilà, on parle bien de deux canaux HF, et il y a une petite astuce qui a été ajoutée, si je peux l'emprunter. Je t'en prie. Merci. Qui est en fait une entrée ligne supplémentaire. Alors on va se demander pourquoi. C'est tout simplement pour vous donner la possibilité de faire une prise soit d'ambiance, soit justement de corréler une piste additionnelle pour des instructions pour la captation. Ou éventuellement, par exemple, avoir un journaliste derrière sa caméra qui pose les questions, qui a besoin quand même d'enregistrer le son, et deux personnes interviewées. Exactement. Voilà. Le seul problème, par contre, c'est que là, on mixe. C'est-à-dire que si on n'a que deux canaux d'enregistrement, on mixe forcément. C'est ce que vous allez vous demander. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'il va y avoir un mixeur intégré à ce boîtier de réception au final. D'accord. Ce qui est assez rare, et donc je vais même aller pousser le raisonnement plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez du coup ajouter une entrée filaire en plus de vos deux HF, mais vous pouvez également, du coup, grâce à ce mixeur, attribuer les deux canaux de réception HF sur une seule et même sortie. Comme ça, vous pouvez garder une entrée sur votre caméra pour n'importe quel autre micro que vous pourriez ajouter. Exactement. Et bien entendu, ce système-là fonctionne aussi avec le MIShu. Alors, la seule mauvaise nouvelle, c'est que c'est un autre dock MIShu et qu'il va falloir que je le change. C'est exactement. Ça c'est ça. Hein. Donc, ça rentre, hein, mais tout n'est pas câblé puisque ce n'était pas prévu à la base, j'imagine, quand vous avez inventé le premier dock. Il faut pouvoir faire passer les deux signaux. Et je viens de rajouter juste une petite chose, mais cela dépend des caméras ou autres utilisées. Donc, cette petite semelle, le MIShu, fait passer les deux signaux. Et rajoute l'alimentation. Et alimente justement ce récepteur qui peut être alimenté soit par batterie classique, soit via ce SmartP3, donc qui utilise la batterie de votre caméra au final, soit via encore un autre biais qui est une alimentation USB externe qui n'a pas de fonction. Alors, est-ce que c'est aussi mal branlé que sur les caméras, cette histoire d'alimentation c'est toujours USB. Bien branlé. Non, attends, parce que je t'explique là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on en a parlé hier avec l'ami Charlie qui a utilisé l'Alpha 7 sur un tournage, que j'adore, Charlie et l'Alpha 7. Mais par exemple, tu sais, la possibilité d'en brancher l'alimentation en USB sur les Alpha, ça ne marche que si ta batterie elle est chargée à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas en fait arriver à court de batterie et te dire tiens, je vais sortir mon power tank USB et je vais relancer la machine. Non, si la batterie a à plat, ça ne fonctionne pas. D'accord, je me suis fait avoir sur un tournage hyper important. J'ai juste eu l'air hyper bête. Voilà, ce genre de truc qui n'est pas marqué sur la notice. C'est bon à savoir. Exactement. Voilà. Et autre chose que je n'ai pas dit, que je n'ai pas expliqué, mais qui est vraiment génial sur ce système HF Sony, c'est que vous avez ici sur le côté, si on peut repasser sur la caméra d'Antonin, ici, il y a une petite fenêtre, ici, infrarouge. Donc, en fait, ce qu'on doit aussi préciser, c'est qu'on est sur un système qui est vachement malin, c'est-à-dire qu'on va scanner, détecter quelles sont les fréquences disponibles, et on va automatiquement créer l'appairage entre l'émetteur et le récepteur via ce connecteur infrarouge. C'est totalement automatisé, c'est absolument génial. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fonction AutoSet qui vous permet de scanner le groupe de canaux, trouver la fréquence la plus exploitable, la plus propre, et ça vient l'envoyer directement à l'émetteur. Donc en l'espace de quoi, 15 secondes, vous avez votre liaison qui est propre et établie. Ouais. Et donc moi, ça fait à peu près 2 ans que j'utilise ce petit kit-là, et j'en suis ravi. Ça ne vaut pas très cher. La qualité de la capsule est tout à fait correcte. Je trouve que c'est même plutôt dans le haut du panier par rapport à la concurrence, dans les entrées de gamme. Bon, c'est pas un micro, c'est un kit qui vaut à peu près dans les 500 euros, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Tu
tu l'utilises aussi bien en fiction qu'en interview que... En fiction, quand tu travailles avec un ingé son, il va forcément te dire... Alors, mais si c'est, la qualité audio est pour moi largement exploitable pour des interviews, broadcasts, des trucs comme ça. Sur de la petite fiction aussi, après, quand tu montes un petit peu en gamme, t'as souvent, tu changes la capsule ou voilà. Il y a une capsule plus haut de gamme chez Sony. Oui. Il y a celle qui est fournie dans le kit et une autre que j'avais là d'ailleurs, qui est justement celle qui est donnée comme la capsule pour les fictions. D'accord. Le CM77, qui est d'accord. C'est bien, tu le fais bien. Nico, il est super, je vais le prendre comme duo. Voilà. Et on va montrer d'autres trucs aussi, parce qu'il n'y a pas que ça chez Sony, dans la partie audio. Il y a aussi ce système d'émetteur que vous pouvez brancher sur n'importe quel micro main. Donc, il suffit de brancher le XLR. Exactement. Là, clac, c'est compatible aussi avec les mêmes récepteurs. Et surtout, ça délivre une alimentation 48 volts. Exactement. Et voilà. Et ça, c'est un autre système donc, de récepteur qui est destiné aux caméras d'épaule. Exactement. Aux preneurs son indépendants qui vont avoir une petite mixette d'adaptation pour ressortir soit en numérique, soit en analogique. Il y a un petit dock qui existe pour... Exactement. Voilà. Super. Voilà. Et ben moi, c'est des produits... On pense pas forcément à Sony pour cette partie-là. Il y a d'autres marques qui remportent plus les faveurs des utilisateurs. Moi, je trouve ça vraiment très chouette et je suis assez content. Ça fait vraiment 2 ans que j'utilise ça à chaque fois pour mes interviews. Et je trouve que ça marche très très bien. Un rapport qualité-prix qui est vraiment très très chouette. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre ? Une dernière chose là-dessus qui fait une petite ouverture sur un autre sujet. Mais sur l'audio, il y a un sujet qui est numérique. Où justement il y a un traitement qui est traditionnel sur l'analogique. Ici on est sur une technologie hybride, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est une liaison analogique très classique qui nous permet d'avoir quelque chose à un prix abordable, justement le numérique étant plus cher, mais un traitement du signal qui est lui numérique. Et quel est l'intérêt à ça? C'est qu'on va avoir une meilleure réponse en fréquence et une meilleure dynamique. Donc au final, pas un meilleur son dans l'absolu, mais un son plus fidèle, plus naturel. D'accord. Je pense à un claquement de doigts ou un applaudissement, quoi que ce soit. On va avoir du mal sur une retransmission analogique par rapport à celui-ci. Donc, il y a une petite évolution qui est faite vers le numérique. Et après, il y a des systèmes qui sont, eux, tout numériques. D'accord. Donc, celui-ci, elle mérite d'être hybride. Ok, super. Bon, Nico, tu utilises quoi, toi ? J'utilise un Canon 5D. En caméra, mais quand tu fais du son, tu prends quoi ? Ah, du son, j'ai mon bon vieux Zoom H4. Le bon vieux Zoom H4, l'arme absolue, le kit favori de tous les kinoïtes. Exactement, mais ce qui est hyper pratique. Ouais. Mais en revanche... Il y a des très bons enregistreurs aussi chez Sony. PCM-D100, pour ne pas le citer. Qui a une qualité de convertisseur assez exceptionnelle. D'accord. Et voilà, grosso modo, c'est un peu tout ce qu'on va raconter sur cette partie Sony audio. Moi, j'enfonce le clou. Vraiment, je suis assez fan de ces produits parce qu'ils sont bien intégrés aussi aux caméras et c'est vraiment un plus indéniable. C'est une facilité de mise en œuvre qui est... j'ai jamais besoin de me creuser la tête de savoir et de passer du temps à configurer mes HF et tout ça. C'est vraiment agréable. Il y a autre chose qui est intéressant aussi. C'est vraiment un truc que j'utilise dans plein de cas de figure. Je suis aussi réalisateur et des fois, je n'ai pas à gérer la caméra. Et quand on est réalisateur en fiction, on aime bien avoir le retour du son de l'ingénieur du son et qui a sa mixette. Et il y a une petite prise casque sur le récepteur, ce qui fait que même si, par exemple, je suis sur un tournage où il n'y a pas beaucoup de budget, eh ben, je peux quand même avoir mon retour HF son avec mon casque branché dessus. Et ça, c'est une autre utilisation qui est vachement bien, d'autant plus qu'on peut régler aussi l'impédance pour passer en niveau ligne. Ouais. Et ça, c'est top moumoute. Je ne sais pas si ma question va être stupide ou pas, on verra. Vas-y, on dira après. Avec un kit d'une autre marque, les petits Sennheiser, on peut se relier à la fréquence ou... Sur celle-ci Non, parce que justement, on va avoir un traitement du signal qui est numérique. Donc en fait, le compandeur, la compression et l'expansion vont être différentes. D'accord. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, trois blocs comme ça et avoir un... Un émetteur, ça ne... Et plusieurs quelque chose. Et... Ok, bah ouais. Exactement. Ok, très bien. T'as pas le droit de dire Sennheiser, toi ? Je sais pas. Moi, j'ai le droit. Je peux dire des gros mots. Je peux dire Sennheiser, je peux dire Rode, je peux dire Audio Technica, je peux dire Beyer, je peux dire, tu vois. Je crois également. Chouvre, ouais. Je l'ai dit. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Ok. Et ben voilà. Enfin, c'est vrai que c'est le son, c'est souvent
malheureusement le parent pauvre en tous les cas de ces Exactement. Petites productions low cost, et en particulier des kinos. Et j'insisterai jamais assez sur le fait qu'on est dans un domaine qui s'appelle l'audiovisuel, et que l'audio c'est aussi important que la vidéo, voire même peut-être plus. Parce que on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et même, il y a un truc qui est tout bête. Si tu regardes comment est-ce que l'être humain est conçu, tu peux fermer les yeux, mais tu ne peux pas fermer les oreilles. Voilà. C'est bien dit. Ah ouais. Je la reprendrai. Ça, c'est un truc... C'est un truc qui est enfin, voilà, on est tous foutus pareil. Si, on peut se protéger, par exemple, d'une... Tu regardes un film. Tu vois une scène qui est violente. Tu fermes les yeux. Si le son... est violent et que le message sonore continue à être violent, la seule solution de te protéger, c'est de mettre les mains sur les oreilles ou les doigts dans les oreilles. Et ça passera toujours un petit peu. Voilà, et ça passera toujours un petit peu. Ça, c'est un, je pense que l'être humain est fondamentalement conçu comme ça pour que le signal sonore arrive en priorité. Et tu fais une expérience à la con, c'est que tu regardes un film, tu coupes le son, tu comprends rien. Mm-mm. Tu coupes l'image, tu gardes que le son, tu comprends tout. D'où l'audio description. Voilà. Ouais. Bon, eh ben on va arrêter pour ces histoires de son pour l'instant. On va peut-être revenir dessus. On va parler un petit peu de caméra et de bidouille. Et après, on viendra parler de toi un peu, Nico, de ton expérience. Je vous ai amené plein de jouets. Tu peux faire un gros plan sur le bazar, s'il te plaît, Antonin. Voilà. Sur la table, j'ai amené plein de jouets. On va parler de plein de jouets autres. On va parler de choses... on va parler de caméras, toujours de petites caméras. J'ai toujours cette addiction pour les petits joujoux. Et je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de DxO. Pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas, je l'ai présenté déjà l'année dernière. La petite DxO One. Tu peux me faire un gros plan dessus, s'il te plaît. Voilà. Donc la DxO One, c'est quoi ? C'est une caméra qui... c'est une petite start-up française qui a lancé ça. Et c'est un capteur Sony. C'est le capteur du RX100. C'est un capteur 1 pouce de 20 millions de pixels. Quand j'ouvre la petite trappe ici, vous voyez, il y a un objectif qui est un équivalent 32 mm qui ouvre à 1.8. C'est un concentré de technologie assez incroyable. On a ici à l'arrière un petit écran tactile qui va nous permettre de changer de mode, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en auto, on peut se mettre en vidéo, on peut se mettre dans plein de trucs. Voilà. On peut faire une photo directement. Il y a une assistance au cadrage. Ici, on voit l'image en petits points noir et blanc. Ça permet juste de voir à peu près ce qui se passe dans l'image et de faire un cadre. On peut déclencher directement. Et le truc qui est absolument génial, c'est que c'est une caméra en fait, qui se connecte sur l'iPhone via un connecteur Lightning. Ça ne marche que sur les iPhones, sur les appareils Apple iOS. Et donc, en fait, le téléphone, qu'il faudra que je pense à couper la prochaine fois, parce que ça, je reçois des messages, pendant le show, le téléphone, en fait, sert de viseur et sert aussi à piloter tout ce qu'il y a dans l'appareil. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici à avoir une caméra d'une qualité professionnelle. L'idée, c'est vraiment ça. Je bosse un petit peu avec eux, je leur ai proposé la punchline, ça a la taille d'un briquet et la puissance d'un réflexe. Donc ici, on utilise l'interface pour aller piloter tous les paramètres de la prise de vue. Donc on peut changer la sensibilité, on peut déterminer où est-ce qu'on veut faire la mise au point. On peut choisir ici, donc je suis en mode auto, mais je peux me mettre par exemple en mode manuel. Et ici, je vais aller donc gérer... Mon ouverture, mon diaph. Donc ça ouvre à 1.8. Ici, j'ai ma vitesse. Ici, j'ai ma sensibilité. Ça fait du RAW, 20 millions de pixels. Ça a une qualité assez incroyable. Et ça fait aussi de la qualité, ça fait de la vidéo en HD, avec une très jolie qualité. Et la grosse nouveauté là, qui a été annoncée il y a quelques jours, c'est que jusqu'à présent, ça ne marchait qu'en mode connecté. Et ils ont fait une mise à jour du firmware de la caméra et du logiciel qui est livré avec. Donc maintenant, tu vas pouvoir travailler aussi en Wi-Fi. Il y a un appareil chez Sony qui fait ça aussi, qui s'appelle le QX10, je crois. Et voilà. Et moi, j'adore ce joujou. Ça fait un an et demi que je l'ai dans la poche. Et je trouve ça absolument génial. Ils ont aussi lancé des petits accessoires dont je voulais parler. Il y a ce petit machin qui est tout rikiki, qui est ni plus ni moins qu'un système qui permet de rajouter un pack Kodak pour aller fixer la caméra sur un trépied. Donc voilà,
c'est ici on a du coup le petit pack Kodak. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant mettre ça par exemple au bout d'une perche à selfie ou sur un pied, piloter ça à distance en Wi-Fi sur son iPhone et faire trouver des axes de prise de vue assez incroyables. Et il y a aussi un nouvel accessoire qui a été annoncé. Donc ça a été annoncé il y a quelques jours. J'ai l'extrême avantage de connaître ces gens-là et de travailler un petit peu avec eux. Et donc ils m'ont prêté des accessoires. Il y a aussi, alors regarde ça comme c'est mignon. On dirait un mignon. On dirait un mignon. C'est tout jaune, voilà. Donc c'est un petit caisson étanche. On met la One dedans. Et alors il y a deux dos différents. Il y en a un où il y a qui conserve l'écran tactile, qui est plus une protection contre les embruns, enfin tu vois la poussière et tout ça. Et il y a une version où en fait tu as un dos étanche beaucoup plus costaud où tu peux descendre jusqu'à 40 ou 45 mètres, je crois. Voilà, en ayant la possibilité de viser avec le petit viseur derrière. Donc c'est à peine plus gros qu'une GoPro, mais c'est 20 millions de pixels sur un capteur 1 pouce avec tout ce qu'on connaît en termes de, avec du RAW, avec la dynamique et la qualité de la signature du capteur de chez Sony, encore une fois. Voilà. Ce n'est pas un produit Sony, mais il y a du Sony dedans. Vous êtes partout. Voilà. DxO, ça s'appelle la DxO One, et ça, c'est le Outdoor Shell. Ça existe dans plein de couleurs. Moi, j'ai pris jaune parce que j'aime bien le jaune. Puis je trouve que ça ressemble à... Ça fait un peu Yellow Submarine. Et il y a des photos, il faut aller voir sur le site de DxO, c'est absolument, absolument génial ce qu'on peut faire avec. Moi, je vais faire dans pas longtemps aussi, ça fait partie des reviews que j'ai en chantier depuis des mois. Je vais faire un petit bilan de un an avec la DxO One. C'est tellement génial qu'il y a le patron d'Instagram qui a déterminé que c'était la meilleure caméra pour les Instagrammeurs. Toi, Nico, qui est Instagrammeur. Voilà. Tu vois, moi, je sais pas, j'ai mon iPhone dans la poche, je fais des photos avec. Mais ça reste un petit capteur, ça reste un truc clic-clac, merci Kodak, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu n'as pas de réglage, rien. En plus, c'est génial, si tu le connectes à ton téléphone, tu peux envoyer tes images sur Instagram avec les hashtags qu'il faut. Directement. C'est-à-dire que là, en plus, ça enregistre le RAW, ça enregistre des fichiers DNG sur la carte micro SD à l'intérieur et le JPEG dans ton téléphone. Et tu peux donc traiter et partager directement le JPEG sur depuis ton téléphone en direct. C'est absolument ultra cool. Voilà. Dans les autres trucs dont je voulais vous parler, mais on va arrêter peut-être le descriptif du matos et tout ça, on va parler un petit peu de toi, Nico. Si tu veux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Nico ? Bien sûr. Donc, Nicolas Nova, je suis photographe, réalisateur. Au niveau de la photo, c'est beaucoup de portraits. Ouais. Et au niveau de la réalisation, alors d'habitude, je suis de l'autre côté de la WebOff, la Web TV. Nicolas fait partie de l'équipe de la Web TV aussi. Donc, il réalise des émissions, il cadre, il fait. Bah, on est tous un peu polyvalents aussi. Exactement. Ah. C'est-à-dire que moi aussi, des fois, je suis derrière là-bas, voilà. Appuyé sur les boutons du Tricaster. Enfin, je n'ai pas forcément l'habitude d'être. C'est ça. Donc, c'est en fait, tu es en train d'avance de t'excuser de ta frousse non, mais ça va de mieux, parler là. Comme ça devant les caméras. Ça va très bien. Et comédien, pourtant. Hein, donc, t'es comédien en plus, ouais. Mets tes doigts comme ça. Tiens, vas-y. Aïe. Voilà. Et voilà. Et c'est quoi tes domaines de prédilection ? Donc, tu fais pas mal de portraits, toi ? Ouais, beaucoup de portraits, photos. Et ce qui aide aussi beaucoup quand tu dois faire des interviews, avoir un axe de cadrage sur l'humain qui est toujours hyper intéressant, enfin, je trouve. Donc, tu fais partie de ces utilisateurs qui aiment bien cette époque où on parle de convergence des outils. Exactement. Tu disais tout à l'heure, tu utilises du matos Canon ? Oui, j'utilise du matos Sony aussi. J'ai une Action Cam, mais c'est la S15, je crois. Okay. Mais voilà, et Canon aussi pour la photo. D'accord. Et c'est quoi, c'est un 5D ? C'est un 5D Mark II. D'accord. T'es resté au Mark II ? Il y a le Mark IV, mais... Ouais, mais il fait pas mieux la purée. Non, c'est pas vrai. Non, mais je m'en sens très bien. Il fait mieux la purée au niveau photo. La technologie Dual Pixel est vraiment quelque chose de très intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est, je l'ai déjà dit hier, c'est un peu la mauvaise blague de la rentrée, ce Mark IV. C'est-à-dire que les gens qui attendaient en fait une évolution, une transformation vers la vidéo, c'est-à-dire que Canon nous a fait savourer, nous a emballé en fin 2008 avec le 5D Mark II, qui avait des fonctionnalités vidéo assez incroyables. Et c'était très innovant à l'époque.
Et en fait, on est sur une progression qui est un peu toujours plus de la même chose. C'est-à-dire qu'on améliore l'existant, mais il y a très peu d'innovation. Quand on voit notamment ce que fait Sony, là, j'ai dans mes mains ce truc-là, là, cette bestiole-là. Ça s'appelle l'Alpha 6300. Ça vaut 1200 euros. Ça fait des photos de malades en 24 millions de pixels. C'est un capteur APS-C. Et ça fait aussi de la vidéo en 4K avec du S-Log 3 à l'intérieur. C'est juste redoutable, tu vois. Et tu as une visée électronique, tu as un petit écran orientable, tu as la possibilité, le fameux Imai Shoe pour ton son. Tu peux enregistrer, comme je le fais ici, là, sur un Atomos. Il y a un autofocus qui fonctionne très bien. Enfin bref, c'est tout un tas de petites choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Canon, qui a lancé un petit peu cette révolution, ne soit pas au top, au niveau de l'innovation, et pour satisfaire justement ces deux familles que sont les vidéastes et les cinéastes, et les photographes, dans la mesure où, en fait, au final, on parle toujours un peu de la même chose. Une prise de vue, c'est une prise de vue, qu'on soit en image fixe ou qu'on soit en image animée. Le cinéma, c'est juste 24 photos par seconde, quoi. Effectivement. Donc voilà, moi, je suis... je suis pas content. Et puis, ça a l'air de prendre... Ça a l'air d'être plus léger en plus. Ah bah attends, ouais, c'est plus léger. Parce que là, j'ai mis un objectif, on va en parler un petit peu. J'ai mis un objectif Sigma. Ok. Sigma qui fait... ça, c'est un truc, je voulais vous en parler depuis longtemps. Sigma, ils ont une série d'objectifs. Donc, c'est la série Art. Tu vois, ici, il y a un petit A qui brille. Voilà. Ça, c'est un 18-35. Donc, c'est un zoom qui... une plage de focale qui est assez limitée, 18-35 c'est x2, ok. Par contre, ça ouvre à 1.8 constant. C'est un truc assez incroyable. Je sais pas, quand je te dis ça, toi, ça te titille un peu ou oui, pas? Oui, j'imagine déjà la profondeur et la beauté. 18-35 qui ouvre à 1.8 constant, ouais. Équivaut moins de 1 000 euros. T'achètes ou pas? Ah bah oui, évidemment. Bah voilà, il faut acheter. Et alors, il y a deux objectifs dans cette gamme-là. Il y a le 18-35 et il y a son grand frère, donc le 50-100, toujours à 1.8 constant. Toujours une amplitude x2, avec une qualité qui est vraiment incroyable. Il y a une qualité de bokeh. Je ne sais pas si on peut passer sur la caméra, sur l'Atomos, juste pour montrer un petit peu le côté crémeux et le bokeh de cet objectif. Donc là, je suis... Je suis même pas à 1.8 en plus, tu vois, je suis à 2.2. Allez, je vais mettre à 1.8. Voilà, on est... C'est assez magique, quoi, tu vois, c'est 1.8 sur un zoom. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Ça n'existait vraiment pas. Voilà. Alors, c'est un peu volumineux, par contre. Ça, il y a un moment... On a un photographe dans le champ, ouais. Ça, il y a un moment où, de toute façon, les lois de la physique sont... on ne peut pas changer les lois de la physique. C'est-à-dire que si on veut un objectif avec une grande ouverture, eh ben, il faut du verre, il faut une grosse lentille frontale. Je veux bien que tu repasses sur l'autre caméra, s'il te plaît, parce que je présente un truc à cette caméra-là. Je ne sais plus laquelle c'est. Non, tu veux absolument que je le monte sur la caméra d'Antonin. Non, sur la... Je ne sais pas comment c'est. Voilà. Ici, en fait, voilà. Ça, c'est... les lois de la physique sont immuables. Si on veut avoir donc un objectif avec une grande ouverture, il faut des grosses lentilles. Donc les caméras sont de plus en plus petites, mais les objectifs ne seront jamais de plus en plus petits. Ça, c'est un truc, voilà. Et ça, c'est un truc dont je voulais parler. On voulait parler des focales. Ici, j'ai un... Ah, pardon. J'ai un Leica, par exemple, qui est équipé d'un 50 mm. Donc on voit, c'est un tout petit 50 mm qui ouvre à 2. OK. Ici, j'ai la version Sony Zeiss, donc qui n'a pas le même encombrement et qui ouvre à 1.8. Tu vois déjà la différence de taille. Attends, Antonin, excuse-moi. T'es par là. La différence de taille d'objectif, tu vois. C'est la même focale. Ici, on ouvre à 2. Ici, on ouvre à 2. Ici, on ouvre à 1.8. OK. Et pour montrer un équivalent chez Vedra, par exemple, vous montrer que tout n'est pas uniquement une histoire de lentilles. Ici, on est encore sur ça. On est sur une optique cinéma qui est aussi un 50 mm. Donc, tu vois, la différence de taille... Ça, c'est 2,50 mm. Voilà. Un qui est cinéma, l'autre qui est une vieille optique photo des années 70 de chez Leica. Et donc, du coup, voilà, c'est juste pour montrer que c'est pas uniquement la taille de l'objectif qui fait
qui fait l'ouverture, mais la taille de la lentille frontale qui est assez importante. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ces cailloux-là. Je voulais on va parler aussi dans les prochains Pampurui Show et sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. J'ai dans les mains cette étrange chose. Est-ce que vous voyez? Ça s'appelle le Leica SL. Donc on ne présente plus Leica, qui est fabricant de caméras, voilà, qui s'est mis à sortir ce boîtier qui a la particularité d'enregistrer des images en vidéo. Donc c'est un capteur full frame, 24 millions de pixels. Et on a la possibilité d'enregistrer en 4K avec un log de très jolies factures et d'enregistrer en 4K en 422 10 bits sur la Tomos. C'est-à-dire que là, si je débranche mon petit Alpha 6300 et que si je branche... Ah non, je n'ai pas le bon câble. Ils ont mis des grosses prises. Ils ont fait un gros boîtier avec des grosses prises, donc je ne vais pas pouvoir le brancher tout de suite. Mais donc, on peut enregistrer en 422 10 bits sur la Tomos. Ouais, voilà. Le flux qui sort... c'est fluide. Voilà. Et ça, c'est chouette. Alors, autre truc dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps... autre petit joujou qui est un nouvel entrant aussi sur le marché et que j'attendais avec impatience, c'est le Fujifilm X-T2. Donc Fuji qui est un vieil acteur du cinéma et de la photo, fait des boîtiers depuis 5-6 ans maintenant. Ils avaient sorti le X100 qui était un boîtier assez innovant avec un viseur hybride, moitié optique, télémétrique et moitié électronique, avec un système de prisme assez malin. Et là, ils ont toujours été assez faiblards sur la partie vidéo. Ils n'ont jamais vraiment cru à ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai été bêta-testeur, moi, depuis le mois d'avril de ce boîtier qui sort là ce mois-ci, qui va être disponible chez les revendeurs fin septembre. C'est un boîtier qui va coûter dans les 1 700 €, je crois, un peu plus, 2 000 € avec le grip, qui fait de la photo de très belle qualité, justement, et de la vidéo aussi de très belle qualité, en 4K, pareil, avec des trucs qui sont assez innovants, que j'aime beaucoup. C'est qu'il y a une simulation de pellicule. Tu retrouves toutes les émulsions Fujifilm. D'accord. Donc le Velvia... Le Fujichrome, l'Astia, l'Acros pour le noir et blanc. Et j'ai fait un petit film en noir et blanc, justement une espèce de carte postale dans Paris, entièrement tournée en 4K, quasiment sans étalonnage, en noir et blanc, avec la simulation de pellicule Acros, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Tu veux dire, tu filmes et en live, tu as le rendu que ça pourrait être En live, on peut le mettre. Je pense que lui, on va pouvoir le brancher sur la Tomos. Ouais, on va le faire en live et comme ça, on va montrer ce que ça donne. Si tu veux bien, quand j'aurai changé la prise. Si j'y arrive. Voilà. Donc en fait... Ici, on va se mettre en mode vidéo. Voilà. Donc là, ici, typiquement, est-ce que tu peux passer sur la Tomos, s'il te plaît ? Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc là, je filme avec le Fuji. Ok. On est sur un rendu ici. On va voir tout de suite dans quel rendu on est. On est, film simulation, voilà. Donc là, on est sur ce qu'ils appellent le pro négatif high. Et je vais me mettre, par exemple, tu vois, je change de simulation. Ah, oui, ça le fait sur le live. Ça le fait ici, mais sur ça le live. Pas sur l'autre. Non, alors, c'est juste, je sais ce que c'est pourquoi. C'est moins parler bien la France. C'est juste qu'en fait, j'ai HDMI. Info display, il faut que je mette sur on déjà, voilà, ok. Et ici, je me mets sur le HDMI comme ça. Ok, donc là, voilà, on voit mieux donc, le rendu. Vous voyez monsieur Claude Duty actuellement à l'image. Salut Claude, ça va? Et donc, je vais vous montrer les différents looks de tout ça. On va aller changer, on va aller dans les menus justement de préférence. Et donc, il y a un menu qui s'appelle Film Simulation, où là, vous pouvez voir justement
ce que ça donne. Donc là, je suis sur le fameux classique Chrome. Okay. Là, je suis sur le rendu Astia, qui est un rendu avec des couleurs assez, assez saturées. Le Velvia, qui est vraiment la péloche ultra vivid. Donc là, on a une lumière qui est très rouge. On voit un petit peu ce que ça donne. Okay. Là, on est sur le rendu standard. OK. Et ici, donc classique Chrome, et ici, on a les rendus Acros, donc avec la possibilité de choisir une simulation aussi du filtre. Tu sais, quand on est en noir et blanc, on peut renforcer en utilisant un filtre rouge, par exemple, un filtre jaune ou un rendu standard. Donc, on a plusieurs niveaux, et je me suis régalé à faire ce film avec ce truc-là. Voilà, on a un mode sépia, par contre, on ne sait pas trop comment ni pourquoi il est là, mais il est là. Il est toujours là. Il est toujours là, le mode sépia, voilà. Donc il y a des trucs qui sont... C'est très qualitatif, c'est vraiment... moi, je trouve que le rendu, je ne sais pas ce que vous en pensez là, sur ce que ça donne en noir et blanc, là, directement sur la sortie, sur la télé. Mais tu vois, sur du... voilà. T'es modèle, toi aussi, non ? Non, t'es pas trop modèle ? Voilà. Donc j'aime beaucoup ce système en fait. C'est une alternative qui arrive à point, tu vois, parce que on a un truc qui est pas trop cher. Alors il y a des petites limitations, notamment le fait qu'il faut absolument avoir le grip qui est en dessous. Antonin, si tu veux bien montrer. Donc là on a le grip qui est en accessoire, qui est indispensable. Sinon on peut filmer que 10 minutes en 4K. Et avec, donc, le grip, avec le grip, tu filmes 30 minutes. Ah oui. Et il y a aussi une autre limitation, c'est que pour avoir la sortie casque et l'alimentation électrique extérieure, tu es obligé d'avoir le grip, pareil. Donc l'alimentation électrique et la sortie casque, elle est de ce côté-là. Et de toute façon, tu es obligé d'avoir le grip parce que sinon, l'alimentation sur une seule batterie, c'est aussi pourri que chez Sony sur l'Alpha 7. Excuse-moi. C'est des batteries qui sont... c'est bien parce que du coup, il y a une miniaturisation. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des petites batteries. Mais c'est vrai que c'est souvent le point faible. Donc là, on a justement un jack, une connectique pour brancher une batterie externe et la sortie casque. On n'a pas de sortie casque si on n'a pas ce grip externe. C'est un petit peu mesquin quand même. Un petit peu. Ils vont pas me dire qu'il n'y avait quand même pas la place. Ils ont mis une prise télécommande à la place. Mais bon, c'est avant tout un appareil photo. Voilà. Fujifilm X-T2. Je vous invite à aller voir vraiment ce que ça donne. Vous allez taper ça sur YouTube, sur Google et ainsi de suite. Et vous allez voir le résultat des images produites par cette petite caméra. Je trouve que c'est une bonne alternative vraiment, tu vois, au Canon 7D, au Sony. Alors c'est plus dans la gamme du 6300 parce que c'est un capteur APS-C, ou au GH4, tu vois, on est un peu dans la même cible, de même prix. Et franchement, ça fait la blague. Je sais pas si on peut repasser sur l'image de la Tomos, s'il vous plaît, pour remontrer cette simulation de film noir et blanc. Voilà. C'est absolument génial. Et il y a un log aussi. Il y a le fameux système de log dont on parlait hier pour pouvoir avoir des images qui soient jolies avec une bonne latitude de correction à l'étalonnage. Voilà, voilà. Et de quoi j'ai parlé encore ? De quoi est-ce qu'il faut que je reparle ? C'est tout, hein ? C'est pas mal déjà. Nico, on a du coup pas beaucoup parlé de ton travail. C'est pas grave, mais en fait j'ai une petite question et peut-être pour des pastilles vidéo, j'utilise souvent mon téléphone portable aussi. Ouais. Mais je cherche à améliorer peut-être la qualité de l'image parce que j'aime bien que ça soit pris sur le vif tout ça. Mais la prise en main, en fait, je cherche un truc avec une poignée. Une poignée, ouais. Tu as des petites poignées qui existent. Il y a des petits accessoires. Notamment, il y a un accessoiriste américain qui s'appelle Zacuto, qui fait un système. Je ne sais pas si je l'ai ici. Parce que clairement, le 5D, c'est trop gros pour faire du vif. Le 5D, il y a une ergonomie de photo. Ouais, voilà. Moi, ce que je reproche à la famille des caméras, enfin des appareils photo qui font de la vidéo chez Canon, c'est d'être resté sur une ergonomie qui est très photo et qui n'est pas utilisable telle quelle en vidéo. C'est-à-dire que vu que tu ne peux pas utiliser le viseur réflexe
pour cadrer, tu es obligé de cadrer avec l'écran à l'arrière, ou d'avoir un viseur externe, ou d'avoir un écran externe. Donc ça fait un truc qui est un peu moins utilisable. C'est ce que j'aime vraiment sur les boîtiers, que ce soit les Sony Alpha 7, le 6003 aussi. Bon, le viseur est un peu petit sur le 6003, mais pour le prix, ça fait la blague. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié aussi sur le Fuji, c'est qu'on est sur une ergonomie qui est pensée hybride. C'est-à-dire qu'on est, là pour satisfaire les photographes qui aiment bien l'ergonomie classique de un bouton égale une fonction. Donc tu as ici, si on peut faire un gros plan, Antonin, s'il te plaît, on a la possibilité, on a ici la bague des vitesses. Okay, donc tu vas sélectionner sur un barillet rotatif, comme on faisait avant, l'obturation. Ici, on a une bague sur laquelle on a la sensibilité. Voilà, on voit que je suis à 1006. Et ici, on a une bague de diaph qui est au bon endroit de la bague de diaph sur l'objectif. On a une bague de correction d'exposition. Et on a quand même en plus, devant, ici, et à l'arrière, des petites molettes qui permettent d'ajuster certains réglages. C'est-à-dire que, par exemple, si tu choisis la vitesse 60e de seconde ici sur le barillet, OK, eh bien, tu vas pouvoir, avec cette petite molette, varier. On peut passer sur la Tomos pour voir ce que ça donne, s'il vous plaît. Donc là, on voit le chiffre de la vitesse. Tu vois, je suis sur 60e et je vais pouvoir affiner, passer du 100e au 40e de seconde. Si je me mets au 125e de seconde, c'est pareil. Je vais pouvoir avoir une plage de correction aussi pour affiner la vitesse et avoir des réglages supplémentaires. Et c'est pareil dans tous les sens. C'est... Et tout ça en conservant un viseur électronique, ce qui fait que tu regardes, Nico, tu as une visée électronique qui est d'une qualité et qui te donne immédiatement le rendu de ton exposition dans ton viseur. C'est-à-dire qu'on a longtemps décrié la visée électronique en disant que c'était moins bien que la visée réflexe. Certes, moi je veux bien... C'est vrai que c'est joli une visée réflexe, c'est la fameuse visée claire, comme on dit. Mais la visée électronique a fait d'énormes progrès. Et je pense que ce qui est cool, c'est justement d'avoir le résultat de son image directement dans le viseur. Voir si on est sous-exposé, si on est surexposé, autrement que d'avoir uniquement de faire confiance dans ces outils de mesure. Voilà. J'ai dit un truc hier, j'ai ouvert une parenthèse que je n'ai pas refermée, j'aimerais la refermer. J'ai commencé ça avec Charlie. On parlait de l'Alpha 7. Et je lui ai dit à un moment, il ne faut pas tourner en HD avec. Et du coup, je n'ai pas expliqué pourquoi. Donc là, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tourner en HD? C'est que quelles que soient ces caméras, ces petites caméras, parce qu'on va quand même parler, on va quand même dire que c'est des petites caméras. Quand on voit chez Sony qu'il y a des caméras qui valent 20, 30, je ne sais pas combien ça coûte une F55, mais ça vaut beaucoup d'argent par rapport à un truc comme ça qui vaut dans les 3000 euros. Il faut savoir qu'en fait le processing, la puissance de processing interne de ces petites caméras accessibles n'est pas suffisamment puissante pour pouvoir permettre d'avoir une qualité de down conversion. On a un capteur souvent qui a beaucoup de pixels et en fait la puissance du traitement interne n'est pas suffisante pour avoir la meilleure qualité de down conversion interne. Donc je préconise et j'incite tout le monde à faire ce réglage. Quand on a une caméra, il vaut mieux toujours tourner dans la meilleure qualité possible, quitte à faire le downgrade, à faire le downscale dans le logiciel, que ce soit Premiere ou Final Cut ou n'importe quel des logiciels de post-production moderne. On a un downscale temps réel dans le logiciel pour la prévisualisation, et sur le rendu final, l'image sera de meilleure qualité. Donc même si tu finalises en HD, même si ton film il est fait pour faire un kino qui va être projeté ici en HD ou qui va finir sur Internet où tu n'en as rien à faire d'avoir du 4K, c'est quand même toujours bien de tourner en 4K parce que justement ce processing de down conversion sera toujours meilleur dans ton logiciel de post-prod que dans la caméra. Voilà. Parce qu'il y a un moment où si cet appareil vaut 1200 euros, c'est qu'il y a une raison, et le processeur qui est à l'intérieur, il est moins puissant que celui que tu as dans ton ordinateur, et il va faire les choses d'une façon moins fine que ne pourra le faire ton logiciel. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est. Ah, il est moins le quart, donc ça va être l'heure de rendre l'antenne. Hein ?
Je ne sais pas si c'était intéressant ou pas. Moi, je... Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu as appris des trucs. J'ai pris des notes même. Tu as pris des notes, d'accord. Et demain, il y a un terreau. Ok. Ok, toi aussi, tu as pris des notes ou pas? C'est bon, je connais. C'est vrai. Ok. Eh bien, il est venu le temps de se dire au revoir et de se dire à demain. Merci. On se retrouve donc à 17h demain en direct sur la chaîne YouTube de Off-Court Trouville et à J+1 sur ma chaîne YouTube. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à dire aux gens de venir s'abonner, de venir liker, de faire en sorte que ça se propage un petit peu afin de, bah, de multiplier, de partager. De, voilà, les... En plus, il y a un hashtag pour nous aussi. Il y a un hashtag. Ouais, s'ils le mettent sur... Mettre le petit hashtag, s'il le petit hashtag off-court. Voilà, on a un hashtag voilà, off-court télé. Bim. Off-court avec un S TV. Ouais. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. On a besoin de votre soutien pour qu'on soit un peu crédible. Il faut qu'il y ait du monde. Non pas qu'on soit pas nombreux, mais on n'est pas très nombreux pour l'instant. Et en voilà. Plus, on est super crédible. Et en plus, on est super crédible. On raconte pas que des conneries. C'est vrai. Voilà. Donc, salut les geeks lumineux. À demain, 17h. Même endroit, même heure.